Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 319 d'art dramatique et nous allons faire un cours d'accordéon pour débutants, débutant total, puisqu'on ne sait pas encore jouer de cet instrument, la boîte à musique. L'instrument s'apprivoise en jouant dessus. Facile. Alors, vous allez me dire, ça ne rythme à rien. Mais justement, ça rythme à beaucoup parce que, disons que l'esprit s'adapte à la musique, à l'instrument, et ensuite arrive à de mieux en mieux à exprimer ce qu'il veut s'exprimer avec l'instrument. C'est une question d'adaptation. Donc, pour l'adaptation, il faut pratiquer. Peu importe, pratiquez, pratiquez. Mais à quoi ça sert de faire un cours sur l'instrument si vous ne savez pas en jouer? Mais justement, c'est pour apprendre à en jouer. Donc, si c'est pour apprendre, c'est qu'effectivement, je ne sais pas encore en jouer. En même temps qu'on apprend à jouer de l'instrument, on apprend à bouger avec. C'est très important le mouvement. Le mouvement. Sans le mouvement, la musique est statique. Il faut absolument donner un élan. Parce que la musique est quand même inspirante pour l'action. Il faut la musique court, la musique ralentit, la musique s'élève, la musique descend, vous voyez. Et tout ça, il faut s'habituer. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut arriver à former son esprit avec l'instrument, avec les mouvements, avec tout ça. Il n'y a qu'en pratiquant, hein. Sinon, on ne peut pas y arriver par la pensée toute seule.
Alors, normalement, le cours devrait s'arrêter là, mais on va continuer pour le plaisir. Continuons. Ça ne mange pas de pain. Pourquoi le mouvement? Le mouvement, c'est une espèce de créativité perpétuelle. Vous voyez, le mouvement. Il faut apprendre à danser comme ça. De la tenue, avoir de la tenue. Alors, la tenue, c'est important. Il faut avoir de la tenue. Là, j'ai essayé de faire quelques pas de tango, parce que le tango, c'est une marche, vous voyez, c'est un pas comme ça, hop, 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 hop. Thank you.
En même temps, on apprend, donc on expérimente de nouvelles choses, de nouveau, toujours en créativité permanente. C'est ce qui permet à l'esprit de s'épanouir. Continue, le cours n'est pas terminé, le cours n'est pas. Il faut toujours, toujours innover, toujours trouver de nouvelles choses. Alors, bien sûr, le pas de tango, hop, un coup à gauche, un coup devant, un coup à droite, un coup derrière, un coup, hop, de ce côté, un coup revenir. Un coup repartir, un coup revenir. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. On peut encore continuer pour le plaisir. Alors, tout d'abord, la position statique. La position statique, alors, on peut, oh, c'est le buste qui dirige la danseuse. Vous imaginez que l'accordéon, c'est la danseuse et moi je suis le tangolero. C'est le buste qui dirige le danseur, n'est-ce pas? Parce que la danseuse se fie au buste du compagnon. Elle danse, elle appuie sa poitrine sur le compagnon et le compagnon lui donne les impulsions du mouvement. Et la danseuse, elle suit le mouvement du buste du danseur. Donc, le danseur, s'il veut, il veut l'amener. Il emmène comme ça, hop, il emmène, il hop, il reprend. Thank you.
Merci, c'était un cours d'accordéon et de tango en même temps, avec une petite danse. J'espère que je recommencerai, je vous montrerai encore les prochains comment on évolue dans cette danse. Alors, on peut faire, on peut démarrer comme ça. Avancer. Tourner. Côté. Recoter. Côté. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.